Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que nous sommes en forme. Alors, مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديدة في لاشين ديالي أجي تستفد. دونك اليوم عندنا موعد مع درس جديد إن شاء الله يكون في المتناول وكيف ما ديما. إلا عجبتكم لاشين، إلا عجبتكم لا فيديو، ما تنساوش تابوناو في لاشين دونك سبسكرايب وضغطوا على الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد. إن شاء الله الدرس ديالنا اليوم على لي كونسون et les voyelles. Les consonnes et les voyelles sont deux types de lettres dans l'oral français. Donc, lisez-moi bien. Alors, dans un premier temps, je suis allée les alphabets. L'alphabet est composé de 26 lettres. Maintenant, c'est une harf dans l'oral français. Puis, on a 6 voyelles. Les voyelles, on a le harf sekina. Et 20 consonnes. Les consonnes, on a les autres lettres. Donc, les voyelles, on a le harf qui est le saut de la harf qui fait ce qui est. D'accord? On a A, E, I, O, U, Y. Donc, les comptes sont à l'aide durant la vidéo. Alors, on a deux façons pour écrire les alphabets ou les lettres dans la langue française. Soit en majuscule, le grand format, bilhajm kabir, soit en minuscule, le petit format, bilhajm sarer. Donc, inshallah, ma loi, sera d'indouer les comptes à l'aide qui fait tourner le kitaba dès le maître de français ou le loral français à bratcherir. D'abord, درت نعطيكم لمحة صغيرة على مختلف أنواع الكتابات لحروف اللغة الفرنسية. Alors, parlons des voyelles, on a dit qu'on a 6 voyelles dans la langue française ou là dans l'alphabet. On a A, B plus A, ça donne ba. On a E, B plus E, ça donne be. On a I, B plus I, ça donne bi. Donc, il y a le notre de la harf ou le saut de la notre. B plus O, ça donne beau. B plus U, ça donne bu. B plus Y, ça donne bi. Alors, la première lettre, la première consonne de Rajkounedna, puisque A, c'est une voyelle. A, c'est une voyelle de l'Ahrof Sekina. Enfin, la première consonne, c'est la lettre B. B comme banane, mouse, ou batou, karib. Banane, batou. La deuxième lettre, c'est la lettre C. C comme citrouille. Al-yaqtin, ou l'al-garab d'arija, ou cerise, al-karaz, ou l'ahab l'mlouk. Citrouille, cerise. Pour la lettre D, on a date, at-tamr, ou dessert, halawiyat. Date, dessert. Pour la lettre F, F, on a fourchette, chauka, ou fi. Fêtette, fourchette, fille. On a la lettre G. G comme garçon ou girafe. Garçon ou lettre girafe, zarafa. La lettre suivante, c'est la lettre H. H comme hibou, boumatoun ou homme, rajouloun. Hibou, boumatoun, homme, rajouloun. La lettre J. Comme jumeau, jumeau, taouem, ou jouer, le vent, jouer. La lettre K, la lettre K comme dans kebab, ou ketchup, kebab, kebab l'oura l'arabia, ou le machawi d'arija, ketchup, salsa de ketchup. La dernière lettre de la vidéo, inshallah, c'est la lettre L. L comme livre, livre, kitab, ou li, serir, li. Anna, quand on lance la nihayat de vidéo d'Anna, j'espère que c'était facile, j'espère que c'était utile, le seftoum non. Donc, sinon, qu'arrive, inch'Allah, la partie, tania, la deuxième partie, c'est les consonnes et les voyelles. Et bien sûr, et là, je vais te la vidéo, maintenant, ça aussi, subscribe. Sur la jaras et like et bien sûr des commentaires et la je vous souhaite très bon courage et faites les ayatillah.